Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo pour vous expliquer comment indexer une nouvelle page web grâce à la Google Search Console. Alors aujourd'hui on est le 30 septembre, on vient de sortir un article, on a une nouvelle page web qui est créée, mais alors elle est encore référencée nulle part. Google n'est pas encore passé sur mon site internet, il ne sait pas encore que cette page existe. Comment lui dire, hey Google, t'as une nouvelle page à aller visiter et référence à moi. La preuve, on va essayer, on va taper le titre de l'article, Digidoc, article cookie consent exception. Rien. Rien qui pop, Digidop, nulle part. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va se connecter à notre Google Search Console. On va aller dans Inspection de l'URL. Et là, on va tout simplement copier-coller notre nouvelle URL. On clique sur Entrée. Et maintenant, on laisse Google faire l'analyse. Cette URL n'a pas été indexée sur Google. En effet, elle vient de sortir. Google ne l'a pas indexée, il ne sait pas qu'elle existe. Très simple. On va aller cliquer sur Tester l'URL en direct. Ce test va nous permettre de vérifier qu'on a bien paramétré notre page web et qu'elle est totalement indexable par les robots algorithmes de Google. Ce processus peut prendre 1 à 2 minutes, mais c'est généralement rapide. Ok, super. Google a accès à cette URL. Il vous dit que l'URL peut être indexée, qu'il y a des améliorations qui sont disponibles. Ok, so, tout est bon. Qu'est-ce qu'on a à faire maintenant? On demande une indexation. Demander une indexation à Google, cela accélère encore un peu plus le processus. Et voilà, maintenant vous n'avez plus qu'à attendre, les robots de Google vont passer sur votre site, actualiser votre nouvelle page web et la référence dans les moteurs de recherche.